Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Analyse. À ça, nous allons parler de sport en Haïti. Et nous avons choisi pour nous parler de une discipline qui est très souvent pas présente dans la programmation. À ça, nous avons comme invité Monsieur Dr. Hans Larsen, qui est président du Comité olympique haïtien. Haïti, c'est vrai, il y a un peu de problèmes au niveau structurel, au niveau conjoncturel. Le sport, pratiquement, c'est une discipline qui prend en otage de la politique, de réalité sociopolitique pays à tout. Et tant vaut l'école, tant vaut la nation, tant vaut le sport, tant vaut la nation, tout. Et ça, généralement, et nous dit pour nous caractériser le problème sport qu'il y a en Haïti. Un pays qui est dans une situation difficile dans Haïti, c'est tout à fait normal que sélection n'ait pas de bons résultats au niveau international. Donc, il y a avec nous Asuya, le président du Comité olympique haïtien, qui est fraîchement entré dans l'institution ça, côté qu'il était vice-président. Nabdi Dr. Lassène, c'est un médecin de profession, un orthopédiste à part de ce marché, et qui c'est un membre tout de la grande famille sportive en Haïti. Dr. Lassène, bonsoir, bienvenue sur l'interview, bienvenue à l'analyse. Bien, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Alain TV. J'espère que je vais à la hauteur de capable répondre à toutes questions que vous parlez, comme d'habitude, de poser. Docteur Lassène, nous arrivons dans la tête du Comité olympique haïtien en juin 2014 à la suite d'une situation houleuse qui fait que gagnait contestation dans le Comité olympique haïtien. L'ancienne présidence Vine a perdu fonctionner ou vini président dans l'institution ça. Très brièvement, bannons historique du Comité olympique haïtien. Historique du Comité olympique haïtien. C'est-à-dire que le Comité haïtien existe depuis nombre d'années. Et il est passé par des périodes très difficiles déjà, il est passé par des périodes qui étaient presque inexistantes, il reprend de mettre sur la carte. Et bon, depuis ces 30 dernières, 40 dernières années, il y a eu d'abord M. Kouakou, après M. Kouakou qui a été une période très courte, il y a eu Jacques Joachim, et après Jacques Joachim, il y a eu M. Becker qui est devenu président, qui est resté président pendant à peu près 30 ans. Donc, et puis bon, après M. Becker, il y a eu une période de 9 mois à peu près de battement par un comité provisoire, qui était à la tête de l'ingénieur Caroline Schut, qui était deuxième vice-président pendant la crise, et que, à qui c'est une femme donc, à qui on a permis d'être proposée comme présidente, et qui a fait de son mieux pendant cette période. Et puis il y a eu les élections le 31 mai 2014. Et puis bon, à ces élections, il y avait deux candidats en face. Il y avait Hans Larsen, moi, et en face de moi, il y avait l'actuelle présidente du volleyball, Madame Margaret Graham. Et puis bon, mes pairs, les présidents des fédérations, qui sont les acteurs votants, ont voté. Et depuis le ça, depuis 31 mai, et c'est le samedi 31 mai, et depuis le ça, moi, le président du Comité olympique. C'est ça. On a dégagé pour Audience Allen TVA vision qui derrière le comité ça. Qui bon nous voulait aller avec le sport haïtien? Tu sais, pour campagne, moi, j'ai gagné un programme que j'ai bâti qui était basé sur plusieurs points. Le premier point, c'est premièrement refaire l'image du Comité olympique haïtien. Et en plus de refaire l'image du Comité haïtien, c'était aussi permettre aux gens de connaître mieux et de changer ce que l'aspect que toujours base du Comité olympique, surtout qui était sorti d'une crise très difficile. Bon, l'autre point que nous avons gagné, c'était améliorer la collaboration nous, avec les diverses entités existantes. C'est-à-dire que d'abord, le Comité olympique international, pour nous mettre nous, sur un pied côté qu'il y a eu le respect du Comité olympique haïtien par nos actes, par nos actions et par nos projets, avec l'État haïtien, donc par rapport au ministère de la Jeunesse et des Sports, avec toute la communauté sportive, les fédérations et tout le monde, avec le secteur privé, et ce que j'ai ajouté dans mon programme, qui me tient à cœur, avec la diaspora. Parce qu'il y a tendance à croire que la diaspora haïtienne
est à côté. On fait appel à la diaspora quand on a besoin d'elle, quand on a besoin d'argent. Moi, je crois que la diaspora fait partie intégrante, et c'est une partie intégrante dans le système, dans le nanan haïtien lié, et que lycée est un pied. Par contre, si c'est gauche, c'est droite. Peut-être que le capier gauche, c'est mon gaucher, le capier droite, c'est mon droitier. Donc, mais c'est un membre, partie pour notre de pays, et demandé qu'il faut nous avoir une relation avec lui. Et donc, il y a plusieurs filières pour nous faire la dernière. C'était filière par rapport à la diaspora lui-même, filière par rapport aux athlètes de la diaspora, filière par rapport à l'intégration de la diaspora. Et peut-être que nous avons l'heure, que nous avons gagné, tant qu'il y a une sorte de. Et branche du comité et à l'extérieur aussi. C'est à l'extérieur, parce qu'il y a un pays jeune haïtien qui est à l'université, qui est dans le collège, qui a même été à l'auto au service de Haïti. Oui, mais l'on parle tout dans le discours et au côté présenté, où tu parlais de nécessité pour que Haïti redore blason, pour que nous travaillions sur la promotion des valeurs olympiques et remettre en train le sport haïtien sur rail développement et progrès. Comment comprendre la valeur olympique dans le contexte haïtien? Le problème des valeurs olympiques est écrit dans la charte olympique. Il y en a la charte olympique là. Et il y en a d'ailleurs, c'est honneur, le respect de soi, c'est l'honnêteté. Donc tout ceci, il faut que par le sport, nous puissions donc arriver, montrer que nous-mêmes haïtiens, nous avons honneur, nous-mêmes haïtiens, nous sommes capables honnêtes, nous-mêmes haïtiens, nous sommes capables. Et croit en aller plus haut, plus fort, plus grand, et que nous, tous, pas là pour toujours tant que des marrons. Il faut que nous directs. Parce que y en a un point qui gagne dans l'Olympique à Kounia, c'est ça aurait le doping. Doping n'a pas forcément prendre une substance qui est mauvaise, qui n'est pas bon. Doping n'a fait partie des valeurs olympiques, c'est faire un bagage qui n'est pas bon. C'est frauder, que c'est faulage, que c'est frauder et on fait une course, on monte une machine, on est sur le côté où aller, toutes ces fraudes. Alors, on va rappeler, on a encore parlé de valeurs olympiques, là, on va rappeler pour l'instant que aussi membre de la commission antidopage du comité olympique international, c'est CIO. Oui, ça c'est une grosse responsabilité que ce de nous. Nous avons plusieurs fois, nous prenons des positions qui sont difficiles parce que, et nous avons dit même presque que Haïti nous pas aimé, parce que nous sommes obligés de prendre, sinon nous n'avons pas frappé nous. Et à ce sujet-là, on fait parler de plusieurs fois à la fois, et à ce sujet-là, nous gagnons par exemple le comité national, tout, presque tout le monde dans la zone net Amérique-là, Amérique centrale-là, Amérique Caraïbe-là. Gagner ce qu'on appelle un ADO, National Anti-Doping Committee, sauf Haïti. Et ils sont prêts qu'on y a pénalisé à cause de ça, parce que ce n'est pas quelque chose que le comité olympique a pu faire, c'est un bagage que le gouvernement a pu faire. Bon, on a parlé à plusieurs ministres, on avait parlé à Rébu, qui était en train de le faire quand il est parti, et on a parlé au ministre Albert, qui est très ouvert, et avec qui, donc, qui a commencé un dialogue, pour que finalement, nous parlions gagner un comité national anti-doping. Et pour nous on a fait monter sous pied pour capable mettre nous la dernière parce que en Haïti nous n'avons pas de contrôle antidoping réellement donc nous les matchs internationaux là ils sont très difficiles pour nous et même les athlètes ne sont pas habitués je fais quoi avec eux mais l'ont pas fait expérience là avec eux directement les difficultés en nous faisant évaluation de situation comme nous avons là vous dire là avec les problèmes que nous avons hérités et des problèmes tout qui greffaient à la situation générale du pays en nous faisant évaluation de comité olympique là bon. Dans ce comité olympique, là, simple. La première chose, c'est, comme tu as dit là, qui figure le comité olympique a présenté. Après ce scandale, c'est que tout le monde s'est corrompu. C'est ça que, c'est ce que pense le public. Et c'est normal. Qu'on y a lui-même, il faut que le comité olympique là fait travail pour changer figure. D'accord. Et même si on connaît que le docteur Lassano n'était tout le reste, mais après ce scandale, ça, les montrer la donne, quand on dit, Hans, oh, cher, vous exagérez, vous n'avez pas d'entrer dans le bagage, ça, qu'on est là. Je dis, oui, mais si je ne pas entrer, ce n'est pas moi qui entre, ce n'est pas moi, haïtien, crème Haïti, qui rentre là-dedans, pour essayer de changer, j'espère, qui remet ce pour essayer de changer, qui est capable de livrer comme là-dedans, qui est-ce qui peut entrer là-dedans? Et qui résultat que nous connaissons? Nous allons battre pour ça. Donc, premièrement, c'est qu'on y a changé aspect visage là.
Deuxième chose qui arrive, c'est prendre, parce que ce n'est pas aspect et réputation seulement, non, pas bon. Finance, ça pas bon. Donc, c'est rechanger non seulement payer toute dette que nous avons gagnée, mais c'est aussi tout changer gestion interne du Comité olympique là, pour rendre beaucoup plus rigide, pour rendre conforme aux normes internationales, pour que le RAB fasse audit pour audit la fête correctement. D'ailleurs, je n'ai pas jamais fait audit dans le Comité olympique. Nous avons déjà commandé une audit au Comité olympique que nous allons avoir. Mais ne pas arrêter ça seulement. Nous arrêter tout dans l'autre audit. Pas audit simplement et financier. Nous venons nous lancer un audit de l'institution même. Donc, nous rentrer en contact avec le Canada. Donc, il faut d'abord te remettre en état pour qu'on parle à Canadien pour faire confiance. Donc, nous rentrer avec le Comité olympique canadien. Ils ont président, M. Marcel Aubut. Et qui, avec qui, et puis ensuite le Comité olympique international, nous rejoignons une coopération qui pourra venir faire une évaluation du Comité olympique haïtien sur tous ces aspects. Et qui pourra nous voici un diagnostic et voici comment faire pour implémenter. C'est ça. Mais le Comité olympique haïtien, attends, ce n'est pas le Comité olympique seulement, parce que le Comité olympique là, c'est émergé de fédérations. Il pourra faire un diagnostic de toutes les fédérations, tout. Pour dire nous, mais ça n'est pas bon dans la fédération, mais ça peut changer pour être capable, parce que pour être capable d'augmenter la capacité, augmenter le rendement. Parce que si pas de fédération, pas de comité olympique. Nous avons vu sur l'aspect ça, nous connaissons que toutes les fédérations et les associations qui sont même affiliées à la comité olympique, là, ont des problèmes. Et toutes, à l'image du pays, a fait face à des situations financières, des problèmes structurels. Mais pas financiers seulement. Les problèmes sont multiples. Donc, c'est financier qui apparaît plus. Mais programme d'organisation, programme de gestion, c'est un problème mélangé de tous côtés. Donc, il faut qu'on entre dans la base là pour changer. Parce que si vous avez un système qui marche mal, qui pourrit, qui a varié, quel que soit comment vous mettez là-dedans, vous pouvez gaspiller comme là. Mais comment il faut d'abord arriver faire, à structurer ces c'est ça. Mais pour structurer, il faut qu'on diagnostic. Qui problème qui gagne? Qu'on y a fini un problème là, parce que les docteurs mieux, c'est pour ça qu'on réfléchit comme ça. Et me penser que, à ce point de vue-là, les économistes et les gestionnaires réfléchissent de la même façon. Où est le problème? Nous posons un diagnostic, nous faisons l'analyse, nous regardons, nous disons, mais problème là. Qu'on y a les mêmes qui plan de traitement, qui vient nous parler de traiter maladie. C'est-à-dire que, mais qui vient nous parler de implémenter point par point, mais ça n'a pas fait pour être capable d'améliorer la situation. Hein. Parce que sinon, si nous avons un problème de pipi, gagne la pipi tout le temps, quelqu'un a la quantité de glombaille à la pipi, il ne peut pas jamais hydrater. Déshydraté, mais c'est pipi la pipi. Il faut d'abord résoudre le problème pipi. Pour qui c'est la pipi, qui cause le gain là-dedans. Bon, nous allons rentrer en médecine là. Mais il faut me bloquer, sortir, et puis pour me faire libre. Parce que si nous avons un drone, si nous avons un gros en bas, on va vider le là-dedans, le va voir. Il faut toujours vider. Il faut boucher d'abord pour monter. Il y a un football là, ou un volleyball là, ou un basketball là, ou un tennis là, ou un karaté, ou un judo. Il y a un pile qui a des problèmes. Maintenant, diagnostic, ça a quoi faire? Est-ce que la fait séparément, il a fait dans sa discipline, ou bien le Comité olympique là, a chapeauté avec ton structure pour aider yo, yo même avancer? D'abord, il faut faire le diagnostic. Ça fait nous faire, nous faire mon entrée, nous faire mon avec, premièrement, le Comité olympique international, deuxièmement, le Comité olympique canadien, troisièmement, le Comité olympique haïtien là-dedans, et nous pour une firme haïtienne de gestion. Aussi capable d'implémenter nous. Et pour nous capables de continuer de travailler sur lui, nous gagnons un jeune et gestionnaire en sport qui sortit de. Qui travaille en France, qui est en France, qui a venu avec nous pendant une certaine période pour venir travailler avec nous, avec le Comité olympique là, avec la Fédération, pour capable de ranger la situation. Pour poser le diagnostic là et commencer à faire l'implémentation. Pas seulement le Comité olympique, mais toute fédération, parce que c'est dès pour gagner dans le système, il y a un lobby qui marche mal, ou pas qu'à foutre les doigts, la machine a perdu l'aliment, elle n'a pas le cocher. Donc il faut que tout le monde rentre pour qu'on avance et qu'on y aille même avec le ministère, aller vers les fédérations et commencer à mettre des normes comment pour que le sport puisse être établi. Parce que le problème qui arrive, même ces fédérations sont excessivement indépendantes par la fédération internationale, mais les fédérations reçoivent aussi l'agence de l'État haïtien. Il faut l'État haïtien décider, ben, l'agent. C'est ça. Parce que
1% du budget. Et puis en fonction de cette transparence, tout. Tout à fait. Il faut que tout le monde donc tout le monde mélange ensemble. Si vous quittez en fuite quelque part, tu perds le contrôle de ta voiture. Voilà. Donc. On a causé à Dr. Hans Lassen, qui est président du comité olympique haïtien, ou son autre édition d'analyse, soit l'individu. On a tourné après la pause.